Bonsoir. Suite à de nombreuses questions que m'ont posées mes abonnés sur, ils ont une interrogation, donc ils voudraient que je les aide. Je vais vous aider à travers un exercice. On va le faire ensemble. Je vais vous poser une question. Je vais laisser juste quelques secondes et je vais vous donner la réponse détaillée. Ben, je fais moi. Allez, on commence. Normalement, on vous demande toujours de définir certains termes. Là, j'ai trouvé un exercice. Il a écrit définir les termes suivants. Vivant. Définir le terme vivant. Alors, je ne sais pas, ça c'est de dire comme un taoukon, je n'y ai vivant, mais personnellement, le vivant se caractérise par, il doit naître, donc il se caractérise par la naissance, il doit vraiment produire sna, la matière vivante à partir de la nourriture. C'est normal. Mais tu as la question qu'on fait comme 3 kilos. Ou d'abord, fait comme, maintenant, 43. Mais je dis 40 kilos. Mais le mec, là. Donc, c'est naturellement le hiyé d'Elkon. Donc, vous avez produit votre matière vivante. Et ensuite, il doit se reproduire. Il te casse, il oulet. Et mourir. Elle est là. Mademoiselle, quand vous le commoyez, une branche morte est-elle vivante? Eh bien, elle appartient au vivant. Oui, elle appartient au vivant. Parce que la mort, c'est une des caractéristiques du vivant. D'accord? Alors, donc, le vivant, c'est ça. Il a les caractéristiques. Il doit naître, il doit produire sa matière vivante à partir de la nourriture, il doit se reproduire et mourir. Ensuite, le non-vivant. Qu'est-ce que c'est que le non-vivant? Alors, le non-vivant, c'est tous les éléments minéraux. Jamais l'anacée. Le madinia, l'eau, l'air, les gaz. Pardon, le non-vivant. Un être microscopique. Qu'est-ce que c'est? Un être microscopique. Micro, micro. Donc un être microscopique, c'est un organisme qu'on ne peut voir qu'au microscope. Et qu'il y a un être microscopique, c'est un organisme qu'on ne peut voir qu'au microscope. Cellule. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule? Une cellule, c'est la plus petite unité structurale et fonctionnelle du vivant. Alors, il y a trois termes. Unité, structurale, fonctionnelle. Unité, parce que tous nous sommes composés de cellules. Donc c'est l'unité de tous les êtres vivants. Et structurale, elle est l'élément de base. L'être vivant me semble cellule. Donc l'unité structurale est fonctionnelle parce qu'elle a une fonction. Donc la cellule, c'est ça, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du vivant. Ensuite, il y a écrit déterminer dans la liste suivante les éléments appartenant au vivant et ceux appartenant au non-vivant. Donc, ce qu'on dit, c'est que les vivants ou les non-vivants. L'eau, wesh vivant ou la non-vivant. Alors, wesh l'eau qui est tout l'aide, qui. Non, l'eau n'appartient pas au vivant, bien sûr. La roche, bien sûr, non vivant. Ben non. L'herbe, herbe. Donc, les plantes, ce sont des vivants. Ils naissent. Donc ils peuvent la matière vivante et ils se reproduisent qui est au bout de la marche ou les quatre quatre ou les quatre quatre donc quatre quatre ou quatre mots une plante donc l'herbe les arbres tout ça c'est vivant. L'oiseau bien sûr l'oiseau est vivant. Ben non, l'azote c'est un gaz. Un gaz, oui, c'est un gaz qui est le
L'azote, c'est un gaz, donc c'est un élément non vivant. La fleur, vivant. Le ver, chèche, vivant, vivant. Non, non vivant. L'arbre, vivant. Le poisson, vivant. Et l'algue, tahalib, les kéichos, filma, nabatat filma, qui est les algues. Oui, c'est vivant. Alors maintenant, il y a écrit, citez quatre exemples de milieux naturels. Citez quatre exemples de milieux naturels. Ça va être. Au sol tabéi. Mais je n'en vois pas au sol tabéi. Milieu naturel. Et la définition. Un milieu naturel est un endroit, un espace, un lieu qui n'est pas influencé par l'être humain. Il est naturel. Il n'est pas impacté par l'être humain. Il est naturel. Et d'avoir la définition exacte de milieu naturel. Alors, c'était quatre exemples de milieux naturels. S'ils existent, l'insan ou là, partout. Alors, est-ce qu'il y a des milieux naturels qui existent? Pas tellement. Alors, milieu naturel, la forêt, un lac, une mare, la savane, oui, un cours d'eau, généralement, et oui, une prairie, une montagne. Oui, tout ça, c'est des milieux naturels. Alors maintenant, on vous dit pourquoi la cellule est considérée comme unité structurale des êtres vivants. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La cellule est considérée comme unité structurale des êtres vivants. Alors premièrement, unité, parce que tous les êtres vivants se composent de cellules. Structurale, parce que c'est l'élément de base, l'élément qui, de base, le constituant de base d'un être vivant. Alors maintenant, il y a écrit construire une phrase en utilisant les termes suivants. Être vivant, une seule cellule, paramécie unicellulaire. Alors, Nardulloul, être vivant, Afinchnoua, une seule cellule, Adartinatarif, paramécie, Wakainhei, Sreb Zev, Kibanflbilmijhar, Mtskoun, unicellulaire. Donc, Beina, la paramécie est un être vivant constitué d'une seule cellule, donc unicellulaire. Il y a une question aussi qu'on trouve souvent dans les devoirs, c'est éliminer l'intrus, encadrer l'intrus. L'intrus, c'est quoi? C'est le mot c'est le mot il y a un mot qui n'a aucun, vraiment aucun lien avec les autres. Par exemple, si je vous dis gravier, air, roche, ver de terre. Quel est l'intrus? Gravier, roche, air et un ver de terre. Un ver de terre, ver de terre. Alors quel est l'intrus? Oui, c'est le ver de terre. C'est le seul être vivant. La roche, c'est pas un vivant. L'air, c'est pas un vivant. Et le gravier, c'est pas un être vivant. Donc les trois sont des éléments minéraux et le ver de terre, c'est l'intrus. Si maintenant je dis, par exemple, une branche morte, l'air, l'eau, le sol, quel est l'intrus? La branche morte. La branche morte, c'est un intrus, pourquoi? Parce qu'elle appartient au vivant, même si elle est morte. Parce qu'une des caractéristiques, j'ai dit, du vivant, c'est la mort. Et puis ensuite, si je vous dis, par exemple, je dis un poisson, un chien, une souris et une tomate. Quel est l'intrus? Ben oui, c'est la tomate. Elle fait partie des végétaux et non pas des animaux. Donc l'intrus à clos, il n'a aucun lien avec les autres. Donc essayez de, quand vous regardez bien les mots, chevouchno, ils appartiennent à quoi? Une autre question aussi qu'on peut poser, citer deux paramètres physiques d'un milieu naturel. Deux paramètres physiques. Alors, je vois un paramètre physique. Un paramètre physique, ça peut être la luminosité, ça peut être l'humidité, ça peut être la température. Donc tout ça, c'est des paramètres physiques. Il y a beaucoup de paramètres physiques. Il y a l'ensoleillement, la luminosité, donc l'humidité, la température, agitation de l'eau. Il y a l'agitation de l'eau. C'est un paramètre physique. Donc tout ça, ce sont des paramètres physiques. Donc vous pouvez en citer. Si on vous demande de citer deux paramètres physiques, vous donnez le médecin
température, humidité, le plus simple possible. Et il y a une autre aussi question qui peut se poser, c'est un exercice pour exploiter des documents et relier des documents entre des associations. Donc vous devez connaître les définitions par cœur. Et parmi les définitions que vous devez connaître, qu'est-ce que c'est qu'un milieu naturel? Qu'est-ce que c'est qu'une cellule? Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant, le non-vivant? Qu'est-ce que c'est qu'un élément minéral? Un élément minéral, c'est quoi? Un élément minéral, ça peut être n'importe quel élément, qui n'est pas du tout synthétisé ou bien construit par un être vivant. Je vous donne un exemple. Comme le sol, trab, il est fait de beaucoup d'éléments minéraux, des sels minéraux, que la plante qui a dans le sol, qui est le hadid, le magnésium, le cuivre, etc. Donc tout ça, c'est des éléments minéraux. L'oxygène, c'est un gaz, c'est un élément minéral. Le tanioxyde de carbone, c'est un gaz, c'est un élément minéral. Et tu كله املاح معدنيه او لا مواد معدنيه. الماده اللي ماشي معدنيه هي اللي qui est construite par un être vivant. بحال حنايا, on est tout ça, c'est de la matière qui n'est pas minérale. C'est de la matière qu'on appelle matière organique. D'accord. Donc علاش parce que صنعها الكائن الحي. Alors اي حاجه صنعها الكائن الحي on appelle la matière organique. مثلا les pommes de terre. Une pomme de terre. خضره. Une pomme de terre tout simplement. Qu'est-ce que c'est? C'est un élément minéral? Non, c'est de la matière organique. Donc il faut faire une dissociation. Faire بزاف ديال النشا et النشا c'est de la matière organique. Un autre exemple de matière organique, le sucre, c'est de la matière organique. Je clique sur nabatat. Chno akhor. Donc oui, on peut avoir zit, oui, de l'huile. Je clique sur noum zit sur mathalan, c'est de la matière organique. Donc un élément minéral et un élément organique, c'est un peu différent. Plus tard vous allez ça, quand vous allez étudier quand vous allez étudier qu'est-ce que c'est que la matière organique, vous allez connaître un peu le détail, qu'elle est constituée de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, etc. Voilà, mais pour le moment, alors que le débat de la fac, mais bien le mawad al-madiniya ou le mawad al-adouya, les hiyaj et les katsam al-kain al-hay. D'accord? Alors j'espère que ces petits exercices vous ont aidé. Vont vous aider pour préparer votre interrogation. Si vous avez des questions à me poser, vous me les posez. Mais je vais vous faire une autre série de petits exercices comme ça sur la respiration. Allez, au revoir et à bientôt. Et là, je dis un grand bonjour à tous ceux qui m'ont, tous mes abonnés qui vraiment ils font de jolis commentaires que j'aime bien. Allez, au revoir et à bientôt.